Bonjour, bonsoir la famille, comment nous y est? M'espérez nous en forme. C'est un plaisir, je dis encore, pour nous croiser, pour nous parler pays, pour nous faire débat. Et m'pas caché, dis nous, hier, m'étais vraiment content, m'étais satisfait le travail qui t'est fait là, puisque moins ouais, travail là, nous t'ai apprécié. Et m'gai longtemps m'a dit, moi, est-ce que faut moi continuer avec, et modèle émission éducation civique, puisque moi, nous pas vraiment réactif. Mais hier, là, m'vin avec émission, moins ouais, moins attente, moins comblé par rapport, avec moun qui pose question après émission, qui écrit, qui relé. Hier, m'a rappelé, nous t'ai parlé de différentes caractéristiques qui constituaient un état de droit. Qui ça faut connaître dans un état de droit? Qui ça doit respecter? Et qui ça pas respecter tout qui fait jodi an là? Nous ka considérer que Haïti son pays sauf un véritable état de droit. Nous son pays, c'est vrai, parce que tout constitutif état, yo, nous gagnons, nous avons territoire, nous avons population, nous avons pouvoir public. Mais, cependant, ça qui relève l'état de droit, respect, caractéristiques, on a parlé de respect de la loi, on a parlé d'égalité tout le monde devant la loi, on a parlé d'indépendance judiciaire, on a parlé de respect de la loi, nous avons parlé de ça, yo, yo pas respecté. Et, il y a un paquet de monde qui posait différentes catégories de questions. Mais ça qui t'a attiré l'attention beaucoup plus, c'est le groupe de monde qui a besoin de connaître qui ça, yo doit faire en tant que citoyen dans un véritable état de droit. Qui obligation yo comme citoyen haïtien si toutefois nous te gagnons un véritable état de droit. C'est réponse à yon vin pote pour nous aujourd'hui. M'a invité nous déjà préparer nous et ou même qui fait tomber sur channel là qui pourquoi abonner, pas hésiter à faire ça puisque c'est là ou à joindre des émissions d'éducation civique, n'a pas les pays, n'a fait débat. N'a pas de comprendre plus bien ça qui a passé sous scène politique, là, des décisions politiques, des décisions sociales, voire économiques qui prend dans l'intérêt, dans soi-disant intérêt. Et un grand merci avec vous-même qui pas caché et contentement, qui pas caché satisfaction, qui bat nous temps, qui bat nous toute énergie, dans chita, garder vidéo, dans partager vidéo, dans faire commentaire, dans liker, dans apprécier le travail positif qu'a fait là. Eh bien, Mabdouza, travail là, continuez pour vous dans l'intérêt. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Là, nous allons répondre à quelques questions très pertinentes que Zamio t'a posées. Première question, c'est qui obligation un citoyen gagner non véritable état de droit. M'a rappelé nous hier, nous parlions de Haïti, nous avons tout ça qui fait Haïti pour un véritable état de droit, nous avons tout ça qui t'a respecté tout pour Haïti t'as non état de droit. Idéal n'a pas caressé, idéal n'a pas enchéri là pour nous un pays côté tout bagarre fonctionner, tout bagarre bien marcher, toute institution bien marcher. Nous ne pas gagner, nous pour pas atteindre. Mais je dis, c'est qui soit doué fait comme haïtien, comme citoyen haïtien, qui pour au moins rehausser, qui pour lever ce qu'a fait du pays. Nous, non pays, nous vivons dans une société côté que nous avons des représentants. Ou bien trois pouvoirs l'État, ou bien exécutif là. C'est nous-mêmes qui votons président, c'est nous-mêmes qui élu président. Nous gagnons, dans même exécutif ça, là, nous finis élu président, constitution, bail, faire obligation avec président pour nous choisir premier ministre, et premier ministre avec président, nous pral choisir cabinet ministériel, yo. Nous pral gagner différents ministres, nous pral gagner différents secrétaires d'État, nous pral gagner directeur général, etc. Si moun sa yo, c'est nous-mêmes qui mettez, parce que c'est représentant direct, nous yoye. C'est nous-mêmes qui mettez pour yon vin ban service. C'est nous-mêmes qui mettez pour yon pote solution avec problème nous gagnons. Donc, si yon travail pour nous, au final, faut que yon ka ban nou résultat. Si yon travail pour nous, au final, faut que nous connaissons qui ça yon fait de positif, qui ça yon bien fait, qui ça yon mal fait tout. Et toutefois, si yon mal fait, job nous bayon pour nous faire, nous bayon faire, faut que nous ka sanctionne yon à un certain moment. Donc, c'est ça qui fait première obligation. On haïtien, on citoyen haïtien gagne non véritable état de droit et dans n'importe pays lié côté la justice a fonctionné, côté institution a fonctionné, c'est ça nous relève la reddition de compte. Reddition de compte là qui ça lié. Nous ba un groupe moun travail pour nous. N'a paye taxe, n'a paye impôt,
C'est normal, l'argent ça a dépensé ou rentré dans la caisse de l'État. Faut en retour nous connaître qui ça l'argent fait. Comment l'argent dépensé? Est-ce que projet tel ministère dit le bras le fait? Est-ce que projet ça a réalisé tout bon? Est-ce que quantité l'argent ministre te dit projet ça a besoin pour le réaliser là? Est-ce que c'est quantité l'argent ça projet a te besoin vrai? Est-ce que c'est quantité l'argent ça te débloqué pour projet a? Est-ce que c'est quantité l'argent ça a dépensé? Donc, reddition de compte là, est extrêmement important pour faire société à marcher, pour faire pays à fonctionner et pour permettre à ce que gagner visibilité dans tout projet, gagner visibilité dans tout petit monnaie qu'a dépensé dans caisse l'État. Chaque dégoût qu'a dépensé dans caisse l'État, faut gagner compte qui baille sous lui. Faut avoir explication qui baille sous lui. Maintenant, c'est qui est-ce qui placé pour ba explication ça yo? Qui est-ce qui placé pour demander explication ça yo? Réponse en lycée, nous-mêmes comme citoyens haïtiens. Nous-mêmes, jodi an la comme contribuable qui paye taxes, qui paye impôts, chaque dégout de nous, li doit important pour nous. Chaque dégout de nous, il doit compter pour nous. C'est pas que nous doit laisser aller, nous doit vaiquer quitter nèg yo fourer maintenant qu'est-ce l'état? C'est pas que vaille nous doué et gen moun ki dit ah moi même côté mien là bon et si ça m'a bail là m'pa travail côté me jeune l'argent pour me payer taxe mais côté me jeune l'argent pour me payer impôt etc qui fait me pral fourer bouche pendant cause grand nèg za yo et pour me faire nèg parler ouais etc gen moun ki dit puisque moun n'a pas travail et li nan chômage li mette nan tête li par exemple li pa payer taxe li pa payer impôt etc c'est pas vrai du tout. Même le nous, ouais, autorité, ou pas créer conditions pour nous travailler, pour chaque monde jouer notre travail. Nous, non, chômage, chômage, j'en viens pire au charge, niveau chômage, j'en viens pire plus. Nous, non, pays, côté que inflation, je dis, en pouvoir d'achat, nous pas même qu'à manger, petit bagage de base, nous pas même qu'à faire tête, nous plaisir avec eux. Nous pas qu'à satisfaire besoin premier, nous besoin primaire, nous. Ça pas vrai dit, pour autant, nous pas participer. Non développement pays nous ça pas dit pour autant nous pas participer dans payer taxes nous pas participer dans payer impôts. Est-ce que nous comprenons? Ou est-ce qu'on grain surette dans bac on machine ou gain temps payer TCA ça crée les taxes sur le chiffre d'affaires là. Ou dans un restaurant ou acheter une bouteille bien ou acheter une bouteille cola ou acheter un 7 up yo gain temps toucher TCA. Ou paye ou monte en camionnette ou paye chauffeur à 15 goud. Yo getan touche TCA parce que chauffeur ali même l'a acheté gaz, li paye, ainsi de suite, c'est en cascade, en cascade, en cascade, jusqu'à ce que l'argent ça arrive dans la caisse l'État. Maintenant, si nous tous, comme contribuables haïtiens, n'a payé taxes, n'a payé impôts, donc l'argent nous, on n'a pas qu'à tolérer le passé n'importe qui gens. Nous pas qu'à tolérer, n'est que pour l'argent nous, yo gagoter, yo gaspiller n'importe qui gens pour l'argent ça. C'est l'argent ça qu'a utilisé pour acheter zambounet, c'est l'argent ça qu'a utilisé pour aller payer gang dans ghetto, pour lever conflit, pour calmer conflit, etc. Faut nous mander compte. En dedans pays, hein, nous gagnons 4 institutions qui placées, qui là, pour travailler dans le dossier corruption, qui sont là pour bailler, pour rendre compte, pour faire ça, nous les redditions de compte là. Nous gagnons CSCCA, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et dans ça qui vient pour avec administration publique là, dans ça qui vient pour dans dépenses que l'État fait, dans recettes, dans l'argent que l'État a rentré, CSCCA lui-même li gon rôle régulateur, li gon rôle de contrôle tout la fait sous dépenses publiques. C'est ça que nous toujours tendez. Le gen des séries de contrats que l'État décide de passer avec soit des firmes privées ou bien avec des firmes privées qui en Haïti ou bien avec des firmes étrangers, il y a passé des contrats. Faut contrat ça, faut que yo pote le devant CSCCA pour CSCCA bay approbation pour l'approuver contrat ça, pour analyser contrat pour yo wè est-ce que pas gen corruption, est-ce que pas gen surfacturation, est-ce que pas gen l'autre moyen et est-ce que pas gen favoritisme, est-ce que t'es gen appel d'offre qui t'es fait ça yo, c'est des termes en administration publique qui permettent à ce que leur contrat après le passer entre deux moun yo, deux groupes moun yo, yo regarder est-ce que tout bagay clean, est-ce que tout bagay était bien fait. Automatiquement gontie ou gonti fine dans contrat CSCCA qui ça gagne comme obligation lui-même li pas tenu pour approuver contrat
li capable accepter contrat et puis soit entendien c'est recommencer pour recommencer à la base refaire appel d'offres etc chercher l'autre monde pour signer contrat. Maintenant question pour poser c'est tout, est-ce que CSCC a respecté obligation gain pour vérifier chaque petit contrat que l'État ici a passé, chaque petit contrat que ministre a passé, chaque petit contrat que institution nous a passé. Est-ce que vraiment autorité qui en dedans CSCCA yo fait job yo fait travail yo, est-ce que yo pas dans connivance avec nèg sa yo qui a fait corruption, est-ce que yo pas dans connivance nan faire fraude nan favoriser corruption, est-ce que vraiment je dis en là obligation yo gen obligation de contrôle là, obligation yo gen pour régulariser dépenses qu'a fait en dedans qu'est-ce l'état en dedans institution qui là en dedans institution financière yo, est-ce que vraiment yo veille tout bon avec intérêt population. M'a dit nous ça très clairement, nous passons différents moun en dedans CSCCA différents responsables qui ont même au final ou trouvé des scandales qui pétaient parce que soit yo t'es de connivence, yo t'es de mèche avec des séries de nèg qui fait corruption, soit c'est X qui t'es metté yo t'es dans intérêt X qui t'as travaillé pour X, soit c'est Y qui t'es metté yo ainsi de suite. Au final ou toujours joine et bon groupe moun en dedans CSCCA qui a travaillé, bon l'autre groupe moun qui pas décidé de travailler. Pour qui ça? Depuis tant de date ça ou tendé et gen dossier Petro-Caribe. Rapport dossier Petro-Caribe ça li bay bout pa bout. Li bay bout pa bout. Chaque coup nous t'attendons pour rapport sorti, jodi a la sorti, demain elle va ka sorti. Pour qui ça? Parce que en dedans CSCCA gagné des influences politiques. Gagne influence politique et c'est dans toute institution l'état qui gagne influence politique là, c'est pas seulement en dedans institution qui gère question corruption là on toujours joindre influence pour qui ça, parce que gérer question corruption li de pair avec la justice et c'est une des raisons ou pral wè que ces présidents passés, que ces premiers ministres passés, gouvernement qui passait déjà yo, ou bien chef exécutif qui passait déjà yo, yo toujours créé en façon pour gagner de bonnes relations avec CSCCA. Ça m'a garanti c'est ça lié. Jodi an la ou jeune Ariel Henry qui c'est chef exécutif là, c'est pas vrai? Comme premier ministre de facto. Mais qui s'écrivait là? C'est pas rapport qui pas ta sorti sur Ariel Henry. Posez tête question. Ariel Henry monté là 8 mois, il va gagner 9 mois là, il va gagner 9 mois depuis sous pouvoir. Gestion Ariel Henry, quand c'était l'argent qui débloqué, non question tremblement de terre qui était passé en mars et passé à la et non sud, c'est pas deux trois l'argent, c'est pas deux trois dons qui baille, c'est pas deux trois prêts l'état haïtien prend. Côté l'argent ça yo fait, qui ça réalisé avec l'argent ça yo? Ou pas j'aime t'en dire. Alors que si vraiment CSCC a travaillé, si vraiment CSCC a te connait, li gagné obligation pour sortir rapport continu sous chaque dollar qui dépense, sous chaque goutte qui dépense en dedans pays, ou t'as besoin de rapport hebdomadaire, chaque semaine ou t'as besoin de rapport, ou t'as besoin de rapport chaque mois, ou t'as besoin de rapport annuel. Mais nèg yo vraiment, yo pas baïf, yo pas prend responsabilité, yo pas tenu compte nan ki misère, nan ki tribulation peuple haïtien yé. Yo pas tenu compte jodi an la le fait que n'a pas de l'eau pour nous faire mais chaque grain goutte nous chaque grain dollar nous li important pour nous le compter pour nous quand tu t'es l'argent diaspora voyé semaine passée on dit nous de mars de août à mars c'est plus passé 22 millions de dollars américains qui rentraient. Donc dites tout bien tout dollar 50 ça yo qui rapport CSCC à bay sou yo, qui rapport CSCC à bay sou yo, zéro barénade marinade. Donc, on va dire que CSCC a les contrôles, CSCC a les obligations, il connaît qui ça doit faire vis-à-vis de peuple haïtien, vis-à-vis de vous-même, de moi-même, qui paye là et qui paye pour payer taxes, qui paye l'argent pour gaspiller, on ne connaît pas. Donc, en tant que citoyen haïtien, en tant que monde qui rêve pour bon l'autre Haïti, pour bon l'autre pays, il faut nous commencer à exiger. Pour yon ban nous compte, pour yon rendre nous compte, la reddition des comptes. Si c'est mouvement pour nous faire, si c'est mobilisation pour nous faire, si c'est sitting pour nous faire, si c'est manifestation pour nous faire, faut nous faire. Parce que yon doit nous compte. Yon doit nous compte. Nous payons pour ça, nous pas payer pour yon rester passif, pour yon chita de un bureau, pour yon kale wes. Nous payons pour yon travail, pour yon dire nous la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. C'est pour ça nous payons. Donc, ça, c'est première obligation, nos citoyens haïtiens, nos pays qui sont véritables états de droit. Et nous prenons plus loin.
ou gagner deuxième institution qui là pour rendre compte, c'est ULCC. Ou gagner ULCC qui c'est unité lutte contre la corruption. Pendant que CSCC a lui-même li gagné et en mission côté que la travaille sous institution, la prendre des rapports etc, la veille sous modèle contrat l'état passé, ULCC lui-même li plus basé sous des personnes particulières. Ça veut dire sous personnalité ou sous autorité. Si par exemple, ou qu'on est X, ou qu'on est tel ministre, c'est lui-même qui gère le ministère, par exemple, ministère culture. Ou qu'on est c'est Emily Prophète qui gère, qui est dans le ministère de la culture. Et puis, il y a un contrat qui est passé, et puis CSCC a approuvé le contrat. Et puis, par la suite, on peut apprendre que le contrat a été mal passé, etc. Il y a un fin dans le contrat. Donc, ULCC lui-même, il a non seulement pour enquêter sous ministre, là, li la pou enquêter sou moun ministre te passé contrat, li la pou gande maintenant ki niveau corruption te, mais ki quantité l'argent te détourné, mais ki favoritisme ki te fait etc. Donc ULCC, CSCC a yo supposé travail de concert, yo supposé travail ensemble. Mais est-ce que vraiment ou tande malgré autant de toute parole en pile qui gagne nan cause corruption. Est-ce que j'aime donner au dou mais tel rapport qui sorti contre tel ministre contre tel directeur général dans le dossier corruption en Haïti. Est-ce qu'on entend ça? Puisque toute institution m'a toujours dit nous ça, c'est des institutions qui politisent. Ni politisent, nèg la nan intérêt yo. OK. Ni pas dans intérêt yo, le virer do ba yo, sont entendé là, target, bois dans derrière yo. Bois dans derrière yo parce que vérité en sont question de politique li en Haïti, c'est pas en question y a faire respecter institution yo, c'est pas en question y a faire respecter la loi, c'est pas en question nous gon justice qui équitable vraiment. Nous pas gon justice j'ai bandé vrai. Justice en j'ai l'ouvri pour un groupe moun j'ai le fermer pour un autre groupe. On s'est consalié. Donc institution ça qui doit veiller pour empêcher corruption fait, qui doit veiller à ce que l'argent chaque dégout d'un bien dépensé faire sinon on prend exemple. L'on regarde Digicel. Nous prenons Digicel là, pas vrai? Digicel, et comme si c'est celle qu'on paye gagné en dedans payant, li levon bon matin, décide de monter prix prix plein internet li. Li monte prix appel li, li montre prix messager, etc. Et c'est monsieur. Ou pas qu'à dire rien. Ou pas bon, ou pas bon, ou pas bon, plein. Ou pas bon, groupe moun qui prend Digicel autant. Ou pas gen aucun monde qui a veillé sous droit comme consommateur, sous droit comme citoyen haïtien. Si ça juste elle prend comme décision, elle pas dans intérêt, et d'ailleurs, même Martin Boute dit, lui prend une décision, elle pas dans intérêt, ou sans tout léser, et pas celle qui a comme compagnie, elle dans l'autre concurrent. Il te dit ça. Pour qui ça, pour qui soit pensé, lui va être plus tout à l'aise. Ça fait nous penser à l'aise comme ça. Parce que nous connaissons. Nous pas gagne aucune institution régalienne dans deux pays qui a fait travail tout. Bon, nous pas gagne la loi vraiment qui n'a qu'un vulnérable, n'a qu'un monde qui peut faire mieux, qui se peut pas ici. Nous pas gagne monde qui a protégé intérêt, nous pas gagne monde qui a protégé droit nous comme consommateurs. Donc c'est ça qui fait nèg yo, yo à l'aise puisque chaque mois yo gagne chèque y a bay X, yo gagne chèque y a bay Y, yo gagne chèque y a voyé dans toute institution dans l'état yo pour fermer bouche. Chèque ça relé pédjol. Donc je dis en là par rapport avec travail ULCC, ULCC pas fait. Par rapport avec travail commissaire du gouvernement, il pas fait. Donc nous trouvons nous en situation côté que même secteur privé, il est rentré dans la corruption comme si c'était légal. Regardez qui décision prend en Papouasie contre Digicel. Regardez qui décision. Ils font l'autre compagnie. L'autre compagnie, il absorbe Digicel. Et puis c'est fini. Ou nan corruption, faire corruption, krasé, et comme si vous venez dans le pays, ou vous venez faire commerce, ou vous venez faire un avantage, et puis c'est poche moun yon coupé. Non, vous ne pouvez pas tolérer, vous ne pouvez pas accepter. Et pas date nous connaissons ces corruptions qu'a fait au niveau de la Digicel. C'est pas date nous connaissons les gens qui a profité de misère peuple, qui a profité, fait tout le bagage, mais nous pas de monde qui a dit un mot pour nous, et puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Maintenant, nous avons eu UKREF. Vraiment, puis une fois qu'on a posé cette question, et qui va lui crever ça? Qui va lui crever? Puisque, ou bien CSCCA qui sont institutions, qui là, en institution régalienne, en institution de contrôle et de dépenses publiques, ou pas vraiment qui ça l'a réglé? Ou bien ULCC qui là, unité de lutte contre la corruption, pas qui ça l'a réglé? Maintenant, vous venez avec un UKREF. UKREF qui l'a lui-même, on dit tout bon, ok, pas de problème. Si UKREF, yon mette UKREF là, nous t'abattons nous à ce que UKREF
li pral régulariser système non. Et puis tout ça qui gen pour avec corruption puisque li même son unité qui là la plus son unité qui là la chercher renseignement financier pour permettre à ce que lutter contre corruption. On peut attendre que li t'a venir avec toute information possible, li t'a bay UCC information, li t'a bay CSCC information pour marrer moun pour marrer. C'est pas vrai. Sous là pour renseignement, fait travail de renseignement. Fait travail de renseignement et c'est là ici j'ai l'impression comme pays qui gagne toute unité renseignement. Ministère intérieur gagne unité renseignement. Nous gagne UCREF là qui c'est unité renseignement financier. Côté renseignement, côté formation, nous pas fait carré gagne corrompu. Nous pas fait carré gagne nèg qui a volé, gagne nèg qui a détourné l'argent de l'état, qui a détourné caisse l'état. Nous gagne yo, yo pas fait travail yo. Donc ou prend USCC, ou prend CSCCA, ou prend USCC, ou prend UCREF même coup de bâton. Et puis ou vient tomber son IGF. Ou prend IGF qui lui-même li en dedans ministère des finances, inspection générale des finances. Pas de problème. Mais combien de députés, combien de sénateurs qui en dedans pays, combien de ministres, directeurs général si mon a touché, est-ce qu'elle a acheté 4 millions de dollars? Est-ce qu'elle a acheté 3 millions de dollars? Ou pas de connaître l'anté entrepreneur? Ou pas de connaître l'anté homme d'affaires? Ou pas de connaître l'anté businessman? Ou pas de connaître rien de lui? Seulement, on a un bon matin levé, l'acheté un 4.3 millions de dollars américains. Et puis, l'on pose des questions, l'on parle, l'on cherche des informations, l'on dit ça, son petit cacaran, son petit monnaie épice, etc. Hein? Qui ça a dit? Qui est-ce qui va rendre nous compte? Parmi quatre institutions, sa yo, qui est-ce qui place pour rendre nous compte? Qui est-ce qui place pour enquêter? UCREF là, c'est responsabilité pour chercher information sur chaque sénateur, chaque député, chaque ancien ministre, directeur général. Pour connaître qui côté rejoindre l'argent, il a investi, il a fait investi gros business Saint-Domingue, fait gros business Saint-Domingue, il a acheté gros cahier Canada, gros cahier États-Unis. Faut que vous enquêtez. Et dans l'institution, ça, que l'UNCC, que l'UCRES, que l'IGF, yo travaille de concert avec institutions financières dans leur pays. Yo. Donc, nous, ouais, c'est bonne volonté qui pas gagné. Puisque nous n'avons pas choisi de faire travail, nous-mêmes, en tant que citoyens haïtiens, en tant que contribuables, nous deux choix nous gagnons. Deux choix nous gagnons. Soit nous mobiliser pour demander une reddition compte. Bon, l'autre choix, c'est pas taper ni taxe ni impôt, ou faire de manière involontaire. Ou faire de manière involontaire. Donc, à tous les coups, ces redditions de compte-là, c'est lui-même pour nous favoriser. C'est lui-même pour nous favoriser. Bon, gardez qui rapport qui sorti là, sous salaire au directeur général, au ministre, au ministère à toucher. DG, au ministère, il y a du salaire de base. Au directeur général, au ministère, il a touché 88 000 goudes. Salaire brut. Et puis, il y a un ballon frais fixe. Moi, je me pose des questions pour me connaître pour qui ça frais fixe ça. Je ne connais pas pour qui ça frais fixe ça. 29 000 goudes frais fixe. Je connais au touché per diem. Il y a un déplacement au touché per diem. Per diem, il y a touché l'an dollar. Mais là, parle de frais fixe. C'est comme si les gens payent encore parce que chaque matin, ils viennent travailler. Ou paye le salaire parce que l'a travaille. Bon, ça nous gagne là, en pile là, il pas travailler, pas faire travail. Mon paye tout, ou paye le salaire en frais fixe parce que chaque matin il lever, il met veste, il met costume, il met radio, il vient travailler. Et puis ça pire là, on balance 50 000 gouttes pour gaz. 50 000 gouttes pour gaz. Ou quitter frais gaz, OK, dans rapport au pas parler de quatre téléphones, mais c'est sûr que me connaît pas ba 10 minutes. Ça pire red là, ça pire terrible, entre 100 000 à 150 000 goudes pour faire qui ça sous code de débit. Ça veut dire que si nous avons parlé, même DG ministère, il y a code de débit. Il y a 4 crédits, non, code de débit. Ça veut dire comme ça, son code qui stocké. Est-ce que ce n'est pas corruption? Est-ce que ce n'est pas corruption? L'on plus 88 000 goudes salaire bouillant, ou plus 6 ou 29 000 goudes frais fixants, ou plus sous 50 000 goudes. L'argent gazan, regarde combien le bail. Et puis, dites à tout, ok, je ne prends pas 100 000, je prends 150 000 gouttes sur le cadre de débit. Regarde combien
combien comme ça veut dire nègle salaire li plus frais fixe plus l'argent gaz yo bali li presque égal s'il pas plus même avec 150 000 gouttes yo mette sous carte de débit et ce carte de débit ça qui ça le fait si carte pour la faire zone pour la faire maquette pour faire tête li plaisir. Ou paye parce qu'elle vient travailler, ou met gaz dans la machine pour venir travailler, ou met manger dans votre lit, ou met rade sous col, ou paye résidence pour lui, etc. Tout ça, c'est pas corruption. Tout ça, c'est pas corruption. Alors que je dis, là, problème insécurité, nous gagnons dedans le pays. Que l'insécurité alimentaire, que l'insécurité criminelle, que l'insécurité routière, qu'on mange chaque jour sous route, accident. Nous, à qui quantité l'argent l'État dépense inutilement, nous, à qui quantité l'argent l'État gaspille. A gaspiller pour pas qu'elle valent pas qui pas quand même bail résultat. Moi même pas avoir aucun problème que ou un pays qui a fonctionné ou un pays qui a marché pour encourager moun yo ou gagner et comment on dit bagaille ça ou gagner des prix ou bail pour encourager ou gagner prix ou bail. Mais faut nous t'ai un pays qui a fonctionné. Faut nous t'ai un pays qui a marché. Et si nous avons un pays qui a marché, nous pensons que prime, nous pensons que je dis alors, tu as obligé à mettre 150 000 gouttes sous petit 4 pour nègre, alors que les policiers ont 25 000 gouttes, 30 000 gouttes, ils ont sous petit 4 là. Ça va pas utiliser une merde. Ça va pas utiliser rien. Nous avons un pays qui n'est pas, qui presque pas fonctionnel pour matériel. Ils ont besoin de drones, ils ont besoin de bon chablende. Yo besoin bon matériel qui ka permettre yo rentrer dans ghetto dans quartier populaire yo pour aller répondre aller riposter avec bandi avec vagabond et pour joindre l'argent ou bay déjà toute l'argent ça yo ou bay sénateur 1 million de gouttes pour so manger poisson là ou bay nèg l'argent ou gaspiller l'argent prendre l'argent jeter dans fenêtre pendant que peuple n'a pas ka manger ou pas ka voye petit tout l'école ou bon fond en FNE là en dollars 50 diaspora bay ou pas jamais qui ça l'utile ou pas jamais qui ça le vaut et puis jodi an ou ta vle pour peuple haïtien rete tankou bébé pour pas mande compte n'a parlé de état de droit n'a parlé de démocratie alors que nous pas apprendre moun yo gen obligation pour mande nou compte nous gen obligation nous gen devoir. Nous avons devoir, nous avons responsabilité aujourd'hui pour nous bailler le peuple un résultat. Obligation de résultat pour le peuple. Il faut que nous portions solution à ce problème. Mais le peuple haïtien, chaque grain haïtien, nous-mêmes, nous avons responsabilité pour nous exiger la reddition de compte. Donc, nous avons 4 institutions qui rentrent dans le cadre de reddition de compte. Nous avons CSCCA, nous avons ULCC, nous avons UCREF, et puis nous avons IGF qui est Inspection Générale des Finances. Donc, nous avons 4 institutions, et c'est quoi à faire dans le pays, puisque nous faisons carrément de corruption. Haïti, les rapports sont chaque fin d'année, ou les rapports sont rapports sur corruption, le Global Transparency, il publie les rapports. Ou Haïti, dans quel listant? Nan kia parce que nous c'est pays qui a plus corruption. Nous c'est pays qui peut pas fonctionner. Nous c'est pays qu'on te dirige à au chaque pi mimi pi volé. Voilà. Voilà, ça c'est première obligation ou gagner comme citoyen non véritable état de droit, mandé compte. Et deuxième bagarre c'est qui s'allier, c'est action en justice. Nous gagne droit pour nous porter plainte contre tout volé. Contre tout gang, contre tout assassin. Et c'est dans l'idée ça. C'est pour ça que je dis nous, je dis nous, nous avons un avocat qui colle dans des gros nous, qui coque dans gros nous, la parle sur le dos. Nous disons pas de travail pour nous. Nous disons nous pas de droit pour le défendre, nous, il fait carré d'où est avocat peuple. Vous comprenez pour qui ça? Parce que André Michel lui-même, lui intelligent. Je dis nous, ça fait l'intelligent. Puisque nous connaissons, dans tout pays qui a fonctionné, dans toute société qui a fonctionné, citoyen, il y a obligation pour le mandé compte. Ligue ta dit tête li. Bon, si me joue sous moun yo mrele tête avocat peuple la bon. Et puis sort dans dial gèt avocat peuple. Comme nous mêmes nous pas réaliser, nous pas rendre nous compte que c'est avantage à venir tirer sous nous, c'est profil à venir faire, c'est capital politique qui la venir faire. Son caméléon déguisé lié, l'elle te paraît tout moun te wè son petit mouton et pourtant jodi an ki so wè. Wè son renard pas mon lion non, c'est nous clouons parce que nous plus fort. C'est peuple haïtien qui lion. Son renard lié, son rusé lié. C'est extrêmement important, son coquin, son ruselier. Donc, je veux dire, qui ça a fait? Qui ça a fait? C'est monter véritablement des groupes qui là pour défendre l'intérêt peuple, qui là pour défendre l'intérêt population. Et puis, nous prenons le côté plainte.
Nous prenons porter plainte contre dirigeant yo. Nous prenons porter plainte contre directeur général institution yo. Ou dans EDH, ou pas qu'à jeune courant. Alors que y a différents sites qui là. Il y a différents sites avant yo te assassiné président Jovenel Moïse qui était presque fin effectif, qui était prêt pour inaugurer pour nous porter jeune courant. Côté aujourd'hui là. Il y a des informations qui m'a circulé, qui dou gen matériel qui a commencé à vendre, gen matériel qui perdu, etc. Vérité ou mensonge, nous la n'ap suivre. Parce que jusqu'à date, il y a beaucoup de gens qui ont inauguré ce site. Il y a beaucoup de gens qui ont inauguré. Donc, nous avons demandé compte. Nous avons demandé compte. EDH pas avoué pour nous payer courant pendant que nous pas qu'à jouer courant. Nous pas jouer courant, pas de courant. Il y a une zone qui fait semaine sans courant. Il y a une autre qui fait mois sans courant, deux mois sans courant. Alors que nous avons EDH là. Est-ce que le possible? Li pas possible. Nous ka poser, nous ka tenter des actions, rele nèg yo tribunal, rele nèg yo la justice. Et pas blague, pas dan vin gran avec nèg yo. C'est pas dan vin gran avec nèg yo. C'est vrai, gen paquet nèg qui corrompu. Gen paquet nèg qui a toujours envie et influencer sous pouvoir judiciaire là. Gen paquet commissaire gouvernement qui de mèche avec nèg exécutif. C'est pas de problème. Mais tout le monde pas corrompu, tout le monde pas voler, tout le monde pas vicieux dans le pays. Il y a des gens qui cherchent, qui jouent, qui prient, qui jouent. Tout le système judiciaire pas pourri, gâté, senti. Est-ce que nous comprenons la réalité qui est là? Ou arrivez dans une maquette, ou dans des gros maquettes, vous regardez sous l'étage, vous regardez produit expiré. Produit expiré. Il est obligé ça, il n'est pas obligé ça, ou capoter plainte. Ou capoter plainte. Ou acheter plein internet dans mes digicel. Ou passe journée en digicel tombé et puis pita li do ko sal focado et 100 SMS avec 50 MB. Qui parole ça? Ou achete plan bien cher ou bien te fait plan en mois, plan journée, ou perdu journée en gaspillé. Pendant pour yo journée en c'est l'argent, li tamisman ni pour yo et puis ou même l'argent pour là c'est comme si c'est à tort joine ni, même l'autre joine ni à terre ou te baisser prendre. Même l'autre jeune ni a tort, te garde ou te garde bon prendre. Ou pas comme si pas doit prendre si la police pas ma ou pas comme si son piège si c'est bon. Son risque lié. Jodi an là, c'est pas un parti pour gagner de cause et puis pour le parti, moun qui pi plus yo, pour c'est nous même y a marginalisé, pour c'est nous même jodi an là, y a fait passer comme si de rien n'était, comme des vanupier, comme moun qui pa gen défense, comme moun qui pa gen avocat, etc. Non. Li pas obligé comme ça. Li pas obligé comme ça. C'est ça que fait jodi an là comme citoyen haïtien. Faut nous commencer à montrer nèg yo nous voulons faire Haïti tout nou pays nèg la li font bagay qui pas ça ou pote plainte contre lui par contre sou te par contre sou te comme ça même au magistrat qui dans commune ou ka ou ka pote plainte contre lui ou ka pote plainte contre lui bon bon exemple simple la mairie a fait un travail même l'entendre la mairie a fait travail c'est pour commune non OK mais la mairie pas tenu pour venir vidon camion sable devant barrière la caillou non. Si la mère vient, il lui donne un gros camion sable devant barrière la caillou. Il les dehors, oui, parce que, bon, dou, ou bien machine pour sortir le travail. Travail 8 heures. À cause du camion sable, ou pas qu'à sortir jour, pas qu'à travailler. Ou bien, ou à travail, ou prendre moto, machine frappe. Ah oui, tout ça rentre dans le cadre de conflit administratif. Et ça que ça me dit, nous, éducation civique est extrêmement importante. Parler politique là, c'est important, mais en tant que citoyen haïtien, en tant que contribuable, l'on paye faut qu'a joindre service et sous paye pour un service ou pas joindre bon koto ka rele nèg yo. Si on viole droit comme administré bon koto ka rele nèg yo. Ou doué au compte, yo doué au compte ou doué mandé au compte. Lè ou pas ka bo compte ou doué rele yo la justice. Et l'arrivée au tribunal avec yo, yo doué réparer yo. Ça, c'est troisième obligation. Obligation de réparation. Yo doué réparer. Puisque yo fort tort. Lè ou vole les millions, yo c'est millions pour développement pays. Lè ou vole en dollars 50 diaspora, yo pa ou aux États-Unis. Ou pa ou te bon groupe, de bon groupe haïtien qui pote plainte, qui pote plainte contre Matéli. Qui pote plainte contre Privé. Qui pote plainte contre Western Union, Unibank, etc. Ah oui! Ah oui, parce que yo travail dur pour envoyer l'argent en Haïti. Dollar 50 ça, les a complété, les a cumulé, li te ka gete achete ti machine pou yo. Ah oui, li te ka gete paye mortgage yo, pa jam konnen. Donc jodi an la, lè yo viole droit, lè yo viole confiance ou yo supposé réparer ou et réparation li extrêmement important. Gade, nous gen bien moi me songe lè m'ta fait 6e année, pa longtemps, oui, pa très longtemps. M'ta pral examen moyen de m'examen certificat.
yo te à l'époque la France paye l'argent moi pour me fêter l'indépendance moi. Réparation, restitution, parce que yo te fait nous payer, nous te bataille nous pour l'indépendance nous. Yo fait nous payer pour l'indépendance là et puis par la suite nous mandé aux réparation, nous mandé pour restituer l'argent. Bon, depuis date là m'a mandé le fait. Pas vraiment tendez au contraire yo ba non encore groupe dans fils nous là cap départcha nous pas quand pas cap finir avec pays. Donc on doit comprendre comme haïtien nous pas seulement là pour nous voter, nous pas seulement là pour faire manifestation pour nèg, nous pas seulement là pour n'appeler à ba un président ou bien vivre un président, nous là pour yo ba nous service, nous c'est des contribuables haïtiens. Pour qui ça relé nous contribuables parce que nous participer dans payer taxes, nous participer dans payer impôts, nous participer dans développement pays malgré nous ouais pas un développement pour Haïti qu'a fait là, mais comme nous baillons c'est l'argent ta doit participer dans développement qui ta doit créer plus travail, qui ta doit créer meilleures conditions de vie pour chaque grand monde. Donc si yo pas ka répondre avec attente, nous yo pas ka répondre avec ça nous gagne comme problème, yo pas ka porter solution avec yo. Faut nous mander au compte, faut nous mander le pourquoi pas. Pour qui ça yo pas ka faire? Ah oui. Et si yo pas ka ba nous en réponse, maintenant nous même nous ka porter une réponse pour yo, nous ka reler en côté. Mais c'est pas modèle et pouvoir judiciaire, ça, c'est pas modèle justice corrompu, ça, justice qui vend au plus offrant, ça, faut qu'on passe mais qui fait en deux d'institution, yo. Faut qu'on passe mais qui pour faire dans pouvoir l'État, yo. Et pour le river fait, c'est moi-même, c'est, ou même, c'est nous tout ensemble. Pour le river fait, faut qu'on connaît qui doit gagner, qui devoir gagner, qui obligation gagner. Donc, l'extrêmement important, je dis, hein, pour prendre conscience que, comme citoyen haïtien, comme contribuable, comme administré, c'est pas seulement bouler caoutchouc, faire manifestation, vive à bas, vive André Michel, vive Ariel. Non, no way. Jodian, ou doué koné, nèg yo doué compte. Ou doué koné, ou doué mandé au compte. Ou doué koné, ou gon koto karele yo. Ou doué koné tout, yo doué réparation. Donc, ma vite ou partager vidéo. Puisque, jodian là, nous parlons paquet de bagay qui est extrêmement important. Il m'a tant de questions, yo m'ouvri à toutes questions. Toute suggestion parce que nous là pour nous travailler pour vous, nous là pour nous travailler dans l'intérieur. Mais avant d'aller, on nous prend un petit pause, mon gars, la protonner. Nous avons deux produits qui sont des outils et des bannes. Nous chaque vini dans trois phases, trois étapes, trois dosages. Nous chaque c'est pour un mois d'utilisation pour faire un traitement de 90 jours chaque. Dans des outils, c'est une pommade qui est faite à partir de 8 produits naturels. Il prend décalcifier corps carveneux, tissu spongieux pénis pour augmenter l'élasticité tissu gebam. Il a pour optimiser santé générale. Il est composé à partir de 13 plantes médicinales et but ultime, c'est faire organisme produit en pile hormone testostérone qui pral barou, ça relève libido. Il pral faire 120 plus fluide pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme pour qu'à joindre une érection plus ferme. Pour plus d'informations, relevez dans 514-886-9776. www.zestofmoringa.com. De retour après la pause. Eh bien, bon, bah, qui extrêmement attiré attention maintenant, puisque hier, on a regardé un article que le journal dominicain, le Standard, yo, li publié. Li publié sous cause de corruption qui gagne dans le consulat dominicain qui est en Haïti. Yo. D'ailleurs, terrible, oui, d'ailleurs, terrible. Nous prenons, ouais, la caille nègre, au moins, y'a un minimum d'essence. Y'a un minimum d'essence, y'a un minimum d'éthique. Y'a qu'on ait quelques bagailles, y'a pas qu'à faire la caille de manière visible comme ça. Mais, y'a rentré la caille, y'a joué une complicité acteur politique. Y'a joué une complicité de série de nègres qui dans l'État, qui dans le pouvoir. Et puis, soit attendez à ces corruptions. Son choc! L'obtendez visa dominicain. L'obtendre ministère affaires étrangères dominicain, yo connaît que visa, prix visa, varie entre 50 jusqu'à 100 dollars américains. Et pour obtendre en Haïti là, visa 200, visa 300, visa 400, jusqu'à 450 dollars américains pour un grain visa dominicain, un visa touriste. En sérieux, en sérieux. Consulat, il appelle 2500 dollars chaque mois. Ligue de dotation pour et consulat 13500 dollars en bail comme ça. Pendant que vous avez un visa, vous faites marcher avec visa 450 dollars.
yo chaque année yo bay yo voye en République Dominicaine près de 11 millions de dollars américains, alors que au total pour quantité l'argent yo fait dans corruption li 7 fois plus que 11 millions de dollars. Ça veut dire on a 77 millions de dollars américains l'argent en battable. Donc nous ouais qui pour corruption gain même voisin là il pas voulait ouais Haïti changer hein? Non. Même voisin ça, il pas voulait ouais Haïti gagner pour Haïti ta vie non véritable état de droit côté principe respecté. Côté ou même comme haïtien, comme citoyen haïtien qu'on doit. Non. Nous pensons si nous te kon pote, si nous te kon un bon matin là, te bon groupe moun ki monte on pa konnen une association et puis on dit on pral pote plainte pour question visa dominicain pour rien pas ka stable etc. lorsque te gen décision que te signé en 2008. Nous pensons que nèg yo te ka anik le bon matin, yo dit on pral un visa 300 400 500 dollars américains. Non. Non. Donc jodi an là, lor gen possibilité pour joindre modèle information ça, les articles ça yo a publié. Les absolus article ça yo faut nous prend connaissance de yo, faut prend connaissance de yo. Qu'on y a l'or vient aller dans un consulat ou bien l'or aller dans une agence parce que agence yo travaille de mèche, yo travaille de mèche. Agence là prend passeport, la doue la baoule dans 2 semaines, 2 mois passer le baoule. Au lieu le baoule la doue ah ou te bon 400 dollars, bah yo dû faut mettre 50. Comme ça nèg yo fait quoi? C'est comme ça. C'est comme ça corruption l'illégaliser en Haïti. Yo légaliser le secteur privé, yo légaliser le pouvoir public là. Maintenant, ou vinn jwenn consulat étranger qui rentre en Haïti vinn légaliser. N'a fait pays. N'a fait pays. Nèg yo fait Haïti tout non savane. Nèg yo fait Haïti tout non côté, tout nèg qui besoin vinn faire mal propre, tout nèg qui besoin vinn faire tintin, tout nèg qui besoin vinn voler, c'est Haïti pour yo vini. C'est Haïti ou bien un paquet de Syriens qui rentre en Haïti. Pour la plupart la caillou c'est moun qui t'a quitté la caillou pour mauvaise affaire, c'est moun qui t'a quitté la caillou qui t'a marron etc etc et puis on vient en Haïti qui sort aujourd'hui là. L'idée économique là qui est tué, chef de file là qui est tué, c'est pas Syrien, c'est pas Libanais. C'est pas eux-mêmes, c'est eux-mêmes. Mais qui est-ce qui quitte au prend essor? Qui est-ce qui quitte au grandi au monter comme ça? Nous-mêmes comme haïtiens, parce que dans même cercle haïtien aujourd'hui, hein, ou jeune touté, ou jeune escamoté, ou jeune bah connait, il y a tout non, mais haïtien pas vle ouais haïtien pareil li progresser, haïtien pas vle ouais haïtien pareil li avancer, nèg lan depuis gen dégoudé et tête li gen tan gros, tête li gen tan pran vent, li pa dwe moun respect, alors que l'argent pas acheter respect, respect c'est pas l'argent bon respect. Respect, c'est pas l'argent bon respect. Ou ka bouke gen l'argent moun pa respecte, ou gade pou soyen, ou vole, ou escamote. Lo ap gade quand tu ancien président passé, lo ap gade Michel Martelly comme ancien président, il t'a supposé, Lowell, il t'a supposé susciter respect. Ou ta, oh, wow! Oh, ancien président, Sami! Jodi an lor ancien président, qui sa monte nan tête ou? Kote l'argent petro Karibia. Lowell, $1.50 diaspora FNE. Lowell, ou pa ket bagay ki monte nan tête ou, ki pa synonyme de ancien président, ki pa fait honneur, ki pa fait hommage avec ancien président, avec statut de ancien président. Mais c'est Haïti, c'est qu'on s'allie. C'est qu'on s'allie. Donc, jodi an, pense que nous gagnons assez bagage, nous gagnons assez et savoir nan men nou la pour nous comprendre que changer Haïti, oui, faut que nous changer Haïti à travers l'action à poser. Et action ça yo extrêmement important pour prendre connaissance de yo pour appliquer yo, mais nos comportements nous tout faut nous parler pour nous changer Haïti. Question tripotaille lan jazz, question à faire coûte langue une sous l'autre là pour passer pour plus bon, faut qu'il fini. Faut qu'il fini. Donc n'a bataille pour nous changer pays, mais nous bataille tout pour nous changer comportement, nous bataille pour nous vivre un monde de bien, un monde nouveau dans société. Donc c'était un plaisir pour me passer temps ça avec nous, pour me passer moment avec nous. M'a invité on le fois encore partager vidéo. Et si vous faites tomber sur channel là, on connaît ça pour faire déjà. Abonnez et toujours songez à activer petite cloche notification comme ça n'a prêté connecté chaque vidéo n'a gagné pour nous poster. Ou premier monde qui va venir regarder là avec nous. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, tendez ça. Ou c'est haïtien ou remet pays ou et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour griffer vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la
nous pourrons faire des bases.